I'll do it. Voilà. Bon ben voilà. Bon ben voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou. Je vais essayer de filmer de mon mieux, puisque maintenant, comme elle a le plan de travail qui est jusque là-bas, en général, je mettais le trépied là-devant. Donc maintenant, j'ai le plan de travail qui me bloque. Parce qu'il y a une ou deux abonnés enfin, qui dit qu'on ne voit pas quand je cuisine. Après, ben, je n'oublie pas de foutre mon téléphone dans la gamelle. Hein. Voilà. Du coup, comme on avait râpé du chou rouge et du chou blanc, voilà, chou rouge, chou blanc, chou rouge, chou blanc, voilà. Comme ça, tu peux dire qu'est-ce qu'on a, on va faire. On fait des galettes de chou rouge et du chou blanc. Ouais. Des galettes comme les, oui, en légumes. Voilà, voilà. Pour pas qu'il n'y ait pas de perte. Voilà. Et en plus, si on en fait trop, on va les congeler. Voilà. Comme ça, quand on a envie de manger une petite galette de légumes, là, avec ça, hop là, on a ça à le chauffer. Oh, on va prendre la... Parce que tout le monde va bien. Non, après, c'est au pif. Hein. Attention. On n'a pas de. Ça. Non, moi, je ne sais pas mesurer. Je n'ai pas, pas de recette. Moi. Ça, c'est là-dedans. Raté ou pas raté, réussi ou pas réussi. Hein. Là. Voilà. Comme je l'ai dit, j'ai fait tiens, viens, on fait des galettes avec le légume. Oh oui! Pas mauvaise idée. Mais je regarde sur la tablette, des fois ils le font aussi, hein. Voilà. Bon, je vais chercher la farine. Ça dérange personne. Oh mon Dieu. C'est tout simple, on va voir ce que ça donne. Hein. Simple comme bonjour. Voilà. Et un œuf. Un cake d'œuf. À Australie. Ouais. Hop. Hop. On va casser l'œuf. Je casse un œuf. On va faire ça avec le sourire. Voilà. Je pense qu'un œuf, ça devrait aller, non? Oui. Je ne sais pas si je dois en mettre un ou deux, mais bah, on n'a pas beaucoup. Voilà, donc ça devrait aller. Voilà. Tu mets du sel, du poivre. Pour que ça soit quand même un peu liquide. Oui. Pour que ça tire. On met juste un peu. Non, on va essayer, on verra. Ouais. Sinon, je mettrai deux œufs si jamais. Voilà, je vais prendre une petite cuillère de farine. Attends. Pardon. Oh, je ne sais pas si un œuf, ça suffit. Hein. Bah, mais un deuxième, alors. Je dirais plutôt deux, hein, vu la quantité qu'on a. Oui, oh, ouais, alors. Tu vois, regarde, il faudrait quand même deux œufs. Mmh. Du coup, on a changé d'avis, je vais faire un deuxième. Je mets sur le côté. On prend les pousses. Et on écarte la coquille. Et voilà! Je voulais dire quelque chose. Mais... Voilà! Donc, tu devrais faire ça dans la grille. La coquille. Qu'est-ce qu'il ne faut pas tout faire? Hein? Ah, les coquilles dans le tri. Voilà. Hop. Sauf bien mélanger. Je vais avancer un peu du mieux que je peux. Voilà. J'ai bien mélangé. Avec le plan de travail, maintenant, ça devient un peu compliqué. Oui, il faut qu'on regarde si on trouve. Ouais, je voulais le poser là, mais comme il est souvent parté, je ne vais pas mettre ça là. Hein. Je ne vais pas mettre le trépé sur le truc. So, voilà. Tu mets une cuillère. Ouais, tu peux mettre un peu. Ouais, on met un peu. Hop là. Allez. Une cuillère, on va essayer. Hop, hop. Je mélange un peu. Pour que tu... Ouais, des œufs, c'est quand même mieux. Hein. Oui. Voilà. Sinon, je fous le portable avec dedans. Hein. On va descendre un peu. Hein. Ouais, tu peux mettre persil, ouais, pas de problème. Tu veux encore un peu de farine ou pas du tout? Attends. Oui, je te laisse. Parce qu'avec un truc comme ça, là, pour mélanger, vous pouvez y aller. Hein. Oui, oh. C'est bien pour la salade, mais pas pour faire des mélanges. Que tu n'as pas une bonne prise. Ah, oh, mais j'aurais pour la salade, oui, mais pas... Dans un autre verre. Ouais, parce que ça, c'est trop, ça se plie trop. Mmh. Ouais, tu peux mettre encore un peu. Un demi, un la moitié ou une... Ouais, ouais, ça va comme ça. Voilà.
là, je mets un peu de persil. Hop. Je vais essayer de mettre mon portable du plus proche possible pour mettre dans la gamelle. C'est du persil sèche et du persil blanc. Ça sera un petit peu de délire cette vidéo. Voilà. Je mets un peu de persil plat. Une petite stop, hein, moi. Je mets, hein, moi. Ouais. Oh, ça va, ça va, oui, je sais. Bah, je le laisse dehors pour le chou rouge. Voilà. Hop, du coup, on va mélanger ça. T'as mis du sel et du poivre. Je vais mettre parce qu'il est trop. Sel, poivre. En fait, parce que j'ai le trépied devant. Oui. Hop, alors. Je me suis lavé. Un peu de sel. Parce qu'il y a du persil qui reste accroché. Du poivre. Vous tournez comme ça. Si jamais on ne voit pas, hein. On va bien l'équiper pour tourner. Voilà. Et on va mettre un peu de muscade. Ouais. Ça, c'est aussi d'après ce que votre quantité. Hein. Attention. Il y en a, ils aiment que ça en sent bien, il y en a moins. Voilà. Moi, j'essaie un autre système. Hein. J'ai mis le trépied sur la plan de travail. Il est jusque là-haut. Ouais, il est trop haut. Ouais, j'en ai un autre qui tourne en même temps. Je vais le ramener la prochaine fois. De toute façon, j'ai utilisé qu'une ou deux fois. Et en fait, tu le poses là, maman, sur la friteuse. Et puis, on peut le poser là. Oui. Et puis, dès que tu tournes, comme ça, il te suit. Hein? J'avais pris une ou deux fois. Tu veux faire aussi en même temps le riz? Le riz. Tu veux aussi faire le chou rouge en même temps? Non, sinon, on le fait demain. Non, mais je te demande tout de suite, là. Comment on a fait ça? On peut le faire demain. Mais ça... Tu me demandes si on le fait, ben oui. Ben non, tu t'es demandé tout de suite. Hein, alors comme ça, ouais, comme fait. Ça c'est fait. Voilà, c'est ce que je te demande. Et le reste qu'on n'a pas râpé, qu'on a coupé en morceaux, on l'a mis au congèle. Oui, il y a 4 sachets. 2 sachets de chou blanc et 2 sachets de chou rouge. Bon, à mon avis, ils vont se casser, hein. Je sais pas, mais bon, il faudra faire bien attention. Sinon, tu sais ce qu'on prend? Non, vas-y. Le truc à steak. Et après, pouf! Ah non, je vais le chercher là-bas. Ah, tiens, c'est vraiment mes idées. Attends, je fais demi-tour et je recherche. Un peu de persil, là, vous prenez ce qu'on a. Il hein, faut, hein, faut bien assez payer aussi, il faut les utiliser. Hein. J'espère que tout le monde va bien. Chez nous, il fait beau. Ouais. On prend ça. Ça irait mieux. On va faire comme ça. Voilà, on me voit. Hein. On me voit. Des fois, on chipote pour n'importe quel petit détail. C'est pas si simple hein, de faire des vidéos. Voilà. Voilà, on peut faire là-dedans. Et on met une feuille en dessous. Non, quand tu tournes, ils vont tomber tout seuls. Ouais. Ouais. Hop là. Ah oui, c'est vrai, j'ai pris les œufs. On casse. On casse. Un ail. Danke. Et j'allais le mettre là-bas maintenant. Dans le riz. Dans le riz. Zwei Ei. Zwei Eier. Hop là, in zwei, danke, hop, Tonin. Vaisselle propre ou vaisselle sale? Vaisselle sale. Hop, comme ça on met tout de suite. Et c'est fait. Voilà. Voilà. Hop. Ah, attends, je te cache la vue, hein. Cours.
bon. C'est l'œuf. On va prendre ça. Attendez. Mais hop. So, vas-y. Maintenant, je vais chercher une poêle. Tu vas les mêles. Sinon, on ne voit pas. Hein. Oui, tu vas les mêles. Hop là. Un petit peu, parce que là, ouais. Voilà. Ah, j'ai fait propre, hein, c'est pas moi. Hop. Je me dis, c'est toi qui salis. C'est ta mère. Ta maman, elle salit tout. Ouais. Elle a besoin de salir. Sale. Merci, hein. Merci parce que j'ai tombé les salatiers. Alors, la soirée, c'est fini. Et on prend la poêle à crêpes. Oui, c'est pas mal. Oh. Bon, là, il faut mettre du poivre, du sel, des épices. Ah oui, c'est chevaux. S'il vous plaît. Vorte. Oui, je vorte. Du sel. Ouais. Là. Mettez ce que vous voulez, hein. Ouais. Après, ça vous gérer la quantité de farine et voilà. Voilà. Tu crois que c'est beaucoup? C'est pas beaucoup. Je mets. J'ai maintenant dit quelque chose, je regarde. Vous avez un peu de muscade? Ah, des bonnes galettes. Galette de légumes. C'est très bon. La poêle à crêpes, parce que c'est bien. Genre, j'espère qu'on va pas entendre. Parce qu'avec les plaques. Ça va être. Il faut que je mette les pieds plus loin après. So, voilà. Bien évidemment, ben, j'aurai pas le choix. Hein. On va mettre de l'huile. D'olive. Voilà. On va voir si ça sort. Hein. Qui verra, verra. Bon, hop là, bonne chance, Véronique. Voilà, tiens. Elle chauffe celle-là? Oui, mais elle prend son temps. Ah bon? Mmh. Aussi? Mmh. Pourtant, c'était folle. Oui, elle ça chauffe, mais. Comme tu l'as pas tout de suite mis. Mais si, ça fait depuis avant que c'est déjà dessus. Oui, mais ça chauffe. Ben, il faut prendre son temps. Il faut attendre maintenant, comme tu l'as mis fort, maintenant, là, ça va, ça va. Parce que des fois, comme des casseroles qui ne chauffent pas bien, là. Non, mais celle-là, elle chauffe, ça chauffe. Tu entends? Ouais. Voilà, pour faire un dossier. Que je le fais ou tu le fais? Tiens. On verra après, quand je l'aurai tourné, si c'est cassé la figure ou pas. On va mettre encore un là, puis... Je vous montrerai après. Du coup, on a mis un peu de chapelure, là, ça va les faire croustillants. Hum. On verra. Hein. Et après, on va les tourner comme des crêpes. Là, on voit bien. Hein. Non, il faut que je prête mes lunettes. Hein. Ouais, un grand bonjour, comment allez-vous? Bon, on retourne. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Regarde, maman. Ouais. Écoute, tu mets le reste, comme ça. Ouais, pour faire un peu plus épais. Bon, ben, j'ai pas le choix, je vais mettre de l'huile. Et ça absorbe. Hein. C'est pas grave, on va pas mourir hein, pour une fois. Hein. Thank you.
Bon, je vais vous montrer le résultat après. Du coup, voilà, parce que la larme, comme il y a tous les premiers mercredis du mois. Du coup, si jamais je vous recoupe, hein, ça va recommencer. Ça bip fort, ouais, elle le fait deux fois. Ouais. Voilà, en fait, compte, j'ai mis de la chapelure au-dessus et en dessous. J'ai mis et ça fait croustillant. Voilà, ça donne ça, des belles galettes. Bon, celles-là, elles ont l'air foncées parce que c'est chaud rouge, c'est foncé. Et celle-là, voilà. Très très bonne idée. Ça va être sûrement très très bon aussi. C'est ma fille, c'est elle qui avait une bonne idée, pas moi. Bah, au lieu de jeter. Ouais, oui. Par contre, ça absorbe l'huile. Hein. Ouais. Il y en a encore un peu là. Oh. Voilà. C'est loin la fois là. C'est une bonne celle-là. Voilà, tout chocolat. Ici, un petit coup de chiffon après que je fais. Ah, j'ai cherché du pain à la boulange. Ouais. J'ai pris du pain. Oh, il reste pas droit. J'ai pris du pain, petit pot au chocolat et croissant. Bon, pas. Ouais. Voilà, ça c'est pour le tri. Mmh. Voilà, c'est bon. Là, je vais... que je vais en congé et j'en ai pris pour si jamais au fil elle a besoin ou Léa. Je n'ai pas trop cuite parce qu'elle n'est pas trop cuite. Donc, hein? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baguettes. J'ai pris 5 petits pains au chocolat. Et normalement je crois qu'il y a 3 croissants. 3 croissants, on peut les laisser tomber. Voilà. Une petite galette avec les légumes. Ouais. Voilà. C'est bien fait, hein. Nice. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. Ouais. Et les steaks, ils sont comme ça aussi. Ouais, avec l'appareil. Ouais, c'est bien avec l'appareil pour faire le steak et tout. On l'avait pris sur Shine, je sais pas comment tu parles du Shine, qui dit Shine. Oui. Voilà, on a fini. Ça, je laisse refroidir. Oui, elle le laisse. Et après, tout ça va être nettoyé. Liquide vaisselle, tout va être propre. Il y a que propre. C'est tout, hein. Ma qu'une ennuie, ça te parle. Comment reste tout on ça mange, bon, à mon avis, une galette suffit, hein. Avec un peu de salade, là. Oui. Du taboulé et puis du céleri. Un peu de taboulé. Ouais, le reste. Et alors et du céleri. Du céleri, on n'a pas trop envie. Voilà, on fera un petit coucou au balcon. Jamais. Et il y a ta grenadine, un sirop de fruits exotiques. Ouais. Ouais. Voilà. J'ai cru qu'elle allait dire autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que déjà ce matin, elle m'a dit un truc, je ne vais pas le dire en vidéo, mais. Oui, mais. Les mots, des fois. Bon, ben. Aujourd'hui, ça va pas. À tout à l'heure. Voilà. Nous sommes au balcon. Oh, bah, si jamais il y a du bruit, hein, je suis désolée, hein. Je vais chercher mon gilet parce que moi. Pourquoi? J'ai froid, je sais pas. Je suis grelotte. Je vais peut-être grelotter. Ah bon? Ouais. Oh. C'est bizarre. Ouais. Le soir, je transpire. Et à ça, j'ai aussi grelotté parce que j'ai lavé ma couette dans la baignoire. Ah bon? Ouais, je l'ai fait hier après. Peut-être parce qu'il y a du vent. Peut-être ça. Mais moi aussi, hier j'ai grelotté. Mais quand j'avais on est froid hier. Où? J'avais froid, j'ai un gros tablier. Oh. Par contre, les galettes, elles sont belles. Il hein faut que je lasse, je suis et puis ça. J'ai remarqué que l'as pas. Après, on aurait pu cuire le chou avant. Et moi, j'aime bien que c'est un peu croustillant. Comme ça, en galette, ça me dérange pas. Il faut très bien les cuire avant. Et après faire avec en galette. Hein, oui. Ouais, maman. Hein, oui, Véronique. Hein, maman. Oui, ma grande. Pas de problème. Bon, hop. Aujourd'hui, c'est sorti de légumes. Ouais. Faites péter les légumes. Hé, hey. Ouais, ouais. Ça suffit. Bah, j'espère que je vais pas. Tiens, tu peux. Mec. Bien que Smith, j'allais le jeter. Je me suis poubelle.
Ah, mon Dieu. Il n'a pas de couvercle, lui? Non, jamais. Ah, bah, ils sont bêtes, hein. Ouais. On va regarder si celui-là, il va dessus. Bah, regarde. Il va dessus, on va récupérer celui-là, attends. Ouais. Il faut qu'il est ouvert, parce qu'il y a quand même un couvercle. Bon, après, tu mets dans un tube au vent. Oui. Tu le perds, ouais. Voilà. Il est beau, le taboulet, c'est très beau. Ouais, j'ai pris un petit, enfin, taille normale. Enfin, oui. Taille normale. Hein. Oui, je veux voir si je peux le faire moi, à la maison. Fait bon, maison. Ça l'aide et tout ça, c'est à volonté. Bon, après, ouais. Hein, ça ira. C'est vrai. C'est très bien que ils ont mis quoi dedans, là-dedans, morte. Je ne sais pas. Attendez, je vais mettre le couvert parce que ça m'est arrivé une fois. J'ai retourné mon yaourt. Je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait quelque chose, j'ai fait comme ça. Oh merde, ça veut tout partir. L'huile de colza, moutarde, oh, l'huile de, ouais, de Dijon, eau, oh, graines, oh, vinaigre, œufs entiers. Ah, des œufs. Merde, je ne savais pas. 10 kg, ça vient avec un amidon modifié pour le terre. Il n'y a pas de crème, je voulais voir s'il y avait de la crème. Il y a des œufs, donc ça va. Tiens! Merci. Mmh. On m'a déjà fait une fois le coup. Je lui ai dit, alors je pense quoi? Ah, c'est dégueulasse. Moi, je m'attends à tout. En fait, c'est pas mauvais, c'est très bon. Hein. Attends, moi aussi, je vais goûter. Mmh. Tu verras. Voilà, je te donne ça. Mmh. Ouh, attendez, je vous approche plus. Je ne vois pas. C'est très bon. Ah non, franchement, c'est super bon. Oui, franchement, vous devrez le faire, mais c'était très bon. Hein. Non. Je ne suis même pas trop dur. Non. Mmh. Non, il n'est pas dur, il est bien mou. C'est pas mieux. Hein. Avec la. Avec ce qu'on a mis là. T'as plu. Ouais, mais. La poudre là. Ah, tu. Oh, là, ça recommence. Non, mais c'est pas possible. Oui, attends. Les... Oh, punaise. Mais... Oh, écoute, je vais le chercher. Ah, oh, l'autre muscade. Voilà, mais je me suis levée. La noix de muscade. Ouais. C'est super bon. Hein? C'est très bon. On vous dit bon appétit et à plus tard. À plus tard. Voilà, les sorties. Je suis essoufflée. On fait doucement. Faut pas le feu. On a fini nos galettes. Et puis maintenant, on va à la pharmacie. Ma mère doit chercher les cachets et moi, je dois chercher le produit d'injection pour le scanner et des bas de contention. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Allez, Véro. Hein. Je suis foutue. Un striptease. Attends. Ah, ils sont pour les conneries. Etienne. Ah, bordel. Donc, on va à la pharmacie. Mais il fait beau, hein? Ouais. Franchement, beau soleil. Bon, moi, je vous dis à tout à l'heure. À plus. Voilà, on a fini notre pharmacie. On doit repasser demain pour la mesure des bas de contention. Et pour mon appareil, pour le kiné respiratoire, j'ai un appareil. Mais non pas, donc faut voir avec mon kiné. Ce soir j'ai rendez-vous. On va voir ce que le kiné propose comme appareil. Oh, oh la circulation, je vous dis pas. Du coup, ben j'ai rendez-vous ce soir et je demanderai à mon kiné, je sais pas sur mon temps. Voilà, plus. J'ai attendu qu'il passe. Ah ouais. Voilà, du coup, donc je retournerai demain matin à la pharmacie. Et j'ai pris une boîte de sérum physiologique, comme il apporte de temps en temps des lentilles. Et ça fait du bien pour les yeux. Quand vous avez une petite saleté dans les yeux, hein, avec la poussière. Hop. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, on rentre. Hein. En tout cas, il fait bien beau. Hein. Ah, alors, tu voilà. Bon, on se dit à demain. Hein. À demain. À demain, on se kiffe. Bisous, à demain. À demain. Si vous poussez comme les autres que j'ai là-bas. Mmh.
Bonjour. Regarde les couleurs. Foutu de foutu. Lui, il est déjà bas. Bon, ouais. À peine ouvert la porte, hein, il est déjà là-bas. Ouais. Ça, c'est moi. Pour toi. Et ça, c'est à moi. C'est mes médicaments. Ça sera utile pour moi et pour Ophélie, pour les gouttes. Des fois, dans les yeux, ça fait du bien. Ouais, c'est les médicaments. Et il peut en mettre pour le petit. Hein. J'étais à 3 euros. Il y en a quand même 40, voilà. 40 dedans, 40 petites bouteilles. Et une fois utilisé, bien sûr, pour la journée, vous ne pouvez pas le reprendre le lendemain. Il faut changer un tous les jours. Quand vous avez une fois ouvert. Ça, c'est bon pour le estomac. Ah, je crois c'est très bon, ça. Pour le estomac. C'est caché. Ouais, c'était Doliprane, puis le médicament pour voilà. Finalement, on a pris un sac de terre. Pour le bleu. Là. On a pris un sac de terreau. Voilà. 15 litres. Parce que moi, à l'époque, j'avais ce grand pot en hauteur. Et je mettais toujours les fleurs, elle est où? Ah, je mettais de la terre et je mettais toujours ceux-là. Ça faisait trop beau là, comme ça et tout. Mais comme mon balcon, je ne peux plus rien mettre. Donc voilà. On va les planter après. Je ne sais pas si ça suffit, on verra. On a à peine ouvert la porte là, hop là, il est déjà là lui. Du coup, bah, bien sûr, hein, on a fait des dépenses. Hein, pour ne pas changer. Hein. Attendez, je vais vous montrer ça. Alors, hop là. Hop. Hein, j'ai pris ça pour ma mère. Et il y a le petit panier avec. Voilà. Ouais. Moi, j'en ai pris une. À part, tu veux celle-là, c'est comme toi, tu veux. Moi, je m'en fous, moi. Comme celle-là, aussi avec le panier. C'est petit, c'est pas des grandes. Hein. Mais ça grandit, hein. Tu sais ça? La moitié de ma main. Oui, les fleurs, je sais, mais ça met longtemps pour que ça pousse. Hein. Alors là. Oui, comme les cartes. Moi, j'en mets un à la salle de bain chez moi. Parce que moi, hein, je suis... Oh là là. Après, ma mère, elle s'est pris un tout petit comme ça. Elle a pris. Et... Ah ben, je suis désolée, heureux, il n'y a rien pour toi. Hein. Et elle a pris celui-là. Voilà. C'est pas du manger, hein, c'est que des plantes. Hein. Oui, vous, les plantes. Hein. Quand ça, tu les... pour casser les feuilles, vous êtes très fort. Hein. Non, mais tu me casses pas, hein, ou... Ça a du mal à pousser. Mais il casse tout, lui. Non, non, tu me casses rien, hein, Auréo. Ça a du mal à pousser, hein, oh. Voilà. Je mets là-bas derrière. Ça non, moi, j'ai pris ces 200 parce que les autres, ils m'ont pas tellement plu. Non. C'était ouais. Pas tellement... Mais ils sont mignons. Hein? Donc, je sais pas. Je regarde. Voilà. Oh, c'est chaud. Bon, ben voilà. Boire quelque chose. Oh, punaise, c'est chaud. Oh, punaise, les lunettes, tu tombes tout seul. Là, t'es rouge comme une crevisse, oui. Alors que t'es pas rouge. Regarde. Ouais. Attends, ah, mince. Oh, mon Dieu. C'est le soleil, t'as vu, avec la lumière. Ouais. Avec la lumière, quand on fume, vous avez l'impression qu'il y avait du Sahara, tout rouge comme une écrevisse. Mais je et en fait, quand elle n'est pas rouge. Ouais. Bon, ça. Bon, ben voilà, nous on va planter ces petites fleurs et puis voilà, au balcon. Ouais. Vous avez vu là, elle est rouge. Good. On a tout qui rentre, hein. Et je sais, je le connais, hein. Oui, je sais, c'est le tien. Je connais, hein. Il est du cage. J'ai des petits problèmes dans mon pantalon. Pourquoi ça ne pousse pas? Ça va être joli avec le, le pour comme ça. Hein? Les racines. Tu vois? C'est sec. Mais tu sais que là, toute la terre, elle va être remplie de racines. Oui. Attends. Moi, à chaque fois, quand je le faisais, le bac était mes... C'est tout est un gros. Hein. C'est... Ça, ça fait beaucoup de racines. Ouais. C'est ma mère qui le fait. Ouais, bien sûr. Ça pique. Ça va être joli, hein. T'aurais dû te mettre à l'ombre. Hein.
rien. Dépêche. Du coup, attendez, je vous montre. Hier, on a fait les bouteilles pour les tournoises. Ah, que soleil, il y a un sacré bon soleil. Attendez. Voilà, j'ai coupé en haut. J'ai fait un petit trou percé sur le petit bouchon. Du coup, elle met de l'eau, puis ça s'arrose quand ils ont soif. Bon, là, c'est vide, mais elle va le remplir. Voilà, pour que s'ils ont de l'eau tranquillement. Ça pousse, ça pousse. Ça, moi, je faisais tout le temps. Mais maintenant, mon balcon, j'ai un arbre qui me touche la barre. J'ai une barre comme ça et l'arbre, il est carrément dedans. J'ai carrément tous les branches d'arbre qui poussent dans mon balcon. Pas la peine. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, il est tout beau. Alors, ça c'est va, pas beau, c'est ça joli. Ah, tu vois, ça, c'est mes préférés. Et je le mets où? Que je le mets là. Mais là ou là-bas? Là-bas, je ne le mets pas tellement. Pourquoi? Mais tu le mets là, la poutre? Ouais. Devant la poutre? Comme on a enlevé tout le truc qui était là, là. Le grillage. Ouais, c'était un truc pour les rosiers, mais on a enlevé. Ouais, parce que je le propose. Et voilà. Ah, du cul. On va à l'ombre. C'est pas au soleil. Le trop. Bah là-bas au siège, moi t'as l'ombre là-bas. Bon voilà, du coup demain matin, bah, je vais revenir parce qu'il faut que j'aille à la pharmacie, il faut qu'on aille au marché. Ouais, voilà, demain matin. Sinon je prends. On lève plus tôt. Un machin. Je sais pas, c'est quoi moi un machin. Une serviette humide. Ah bon? T'as ouais. Chaud? Mets-toi en tenue de Ève. Mais ça va. Oh ben non, on se dit à demain. Hein. Ouais, hein? À demain. À demain. Prenez soin de vous, à demain. Bye bye. Tout le monde, coucou. Ah, on a fait déjà de la bonne marche, hein. On est allé au marché, j'ai changé un haut parce qu'il était trop près du corps, hein. J'ai pris un autre à la place. Et après on est allé à la pharmacie, hein. Ouais. J'ai pris chercher mes bas de contention, ouais, après ouais, mesure et le truc des billes là avec les trois boules là que vous devez souffler, ça doit le chercher à 16h. C'est pas remboursé. Et après on est allé au pointeur. Et je vous montre ça quand on rentre. Alors, j'espère que tout le monde va bien pour aujourd'hui. On est quoi aujourd'hui? Jeudi. Demain j'ai rendez-vous à l'hôpital. Ouais. Demain j'ai rendez-vous demain matin à l'hôpital. Voilà, voilà. Je vous dis à tout à l'heure. À plus. Voilà, nous sommes rentrés. T'as vu comment elle fait? Bah c'est rapide. On a arrosé les tomates. Enfin, je les fais. J'ai bien bien trempé. Comme ça, les bouteilles, ils se vident moins vite. Voilà. Donc, alors, on est de retour. Elle a pris 2 paquets de popo. Juste comme ça. C'est des petits, hein. C'est ouais. Des petits paquets. D'avoir quoi, 100, 200 grammes même ça. Attends, bah, 90 grammes. Ouais, là voilà. Aussi 90 grammes. Ouais, c'est des tout petits. C'est tout petit. Voilà. Mini plus.
j'ai pris un grand salade. On va partager avec ma fille. Oui, parce que c'est trop gros le paquet. Ouais, je crois qu'il y a un kilo en plus. Oui. Attends, voir. Il n'y a rien marqué. Oui, là, mais il faut voir. Ah, ah attends. Je ne sais pas. Non, on voit. Non, 500 grammes. Ah, bah, même pas 500 grammes. Ouais, 500 grammes. Il coûte 2 euros et quelques, ça fait 3 euros. Ouais. Ça va. Ça va, oui, ça va. J'ai pris du persil, comme j'en avais plus. 20 grammes. Ouais. J'ai pris une petite salade bah, pour la manger à midi ou quand on veut. C'est une salade de oh, good. Mezzo aubergine. Aubergine. Aubergine grillée, poivron, capaille grillée, je crois. Ail, mayonnaise, yaourt et sel. Voilà. Il y a 316 grammes, 3,32 euros. Ouais, hop. Ça me fait plaisir un peu. Et 5 kilos. 5 kilos d'escalopes de poulet. D'escalopes de poulet. ils sont à 30 euros quand c'est en barquette. Oui. Et quand on prend à la boucherie, c'est 40 euros les 5 kilos. J'ai calculé. Donc là, 30 euros, on gagne 10 euros. Voilà. On peut faire plein de choses. Hein. Brochette, oui. Cordon voilà. Bleu. Vous pouvez faire plein. On les coupe, on fait des émincés. Ouais. Ouais, c'est pour ça que ça, c'est pas mal. Ouais. Du coup, il y avait des melons. Moi, j'ai vu des melons. On a un euro 49 pièces. 2, 3, 4 melons. Le plus gros, c'est celui-là. Ça, c'est le plus gros. Et après, t'as. Je sais voilà. Pas. Ouais. Et c'était 1,49. Oui. Deux pour ma fille. Moi, je suis folle des melons. Toi, tu t'aimes bien. Oui. Et ma filia, elle n'est pas mieux. Elle en raffole. Donc, à 1,49 euro, je vais lui en ramener un. Comme ça, elle a un beau melon. Voilà. Et c'est pas ça, on voulait trouver des. Les piques à brochettes, mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas parce que vous pouvez le faire aussi avec ça. On trouvera autre part, pas de problème. C'est, ça voilà. Fait rien, c'est pas grave. Bon là... ben voilà, sur ce, nous, on va vous laisser. Et puis voilà, la vidéo elle est longue. Hein. On a oublié de dire comment allez-vous, ça va? Je ne sais pas parce qu'on avait déjà fait ce matin, non? Vidéo. Oui, mais on n'a rien dit. Je ne sais plus. Oh, c'est pas grave. Ouais. On a l'habitude avec nous. Hein. J'espère que ça va mieux. Si, je crois qu'on l'avait dit. Emma, j'ai rendez-vous samedi chez le médecin. On l'a déjà dit. Ah, je l'ai déjà dit. Au moins, on est sûr que vous l'avez vu, on vous dit tout. Oui. Enfin, pratiquement tout, on va dire. Oui. Mais la vie, en dehors des réseaux, c'est pas pareil. Non, hop là, on va vous laisser. On a notre petite vie privée aussi. Oui, on va faire, on a Sur ce, nous, on va vous laisser. On vous dit dans de prochaines vidéos. On fait plein de gros bisous. On se kiffe. Bye, bye. Et prenez soin de vous. Et attention au soleil. Oui. Faites bien attention. Oui. Bisous. Bisous. Bisous.